Et on se retrouve pour la sixième vidéo d'Odd World, l'Exode Dave. Alors, nouvelle salle avec le fameux chose, et on est en train avec deux casser du slig. J'adore casser du slig. Boum, 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 boum. Yes. Je vais attendre un peu qu'ils me voient. Salut les mecs. Bye. Proche, mais sans non plus être trop proche d'eux pour ne pas les écraser, hein. Ce serait dommage d'en faire un. Voilà. Essaye. Comme ça, ils sont pas loin. Non. Ah, trop tard. Merde. Pardon. Trop tard, je l'ai pas vu, le pauvre. Désolé, du coup. Oui, le pauvre, il déprime. Il a entendu son copain. Les autres, son copain craquer, et ben voilà. Ah, il m'a pas suivi. Bon, allez, vas-y. Je t'en prie. Voilà, mon grand. Salut. Suis-moi. Voilà. Au boulot. Au boulot. Parce que oui, je n'ai pas envie de les écraser. Du coup, maintenant que j'appelle lui, pour qu'il aille de l'autre côté. Attends. Parce que vu que je ne sais plus trop ce qu'il a à côté, et ben voilà. Quick save, très important, parce que je viens d'en sauver 3, même si j'en ai perdu un, on ne sait jamais. Tous ensemble, salut. Tous ensemble, salut. Suis-moi, voilà. Ok. Pour voir un peu, ah bah c'est nickel, voilà. J'ai bien fait de les faire me suivre, parce que finalement, je les sauve direct. Voilà, et vous avez vu que c'est écrit accès à la chaudière. Donc je retourne dans la zone où est-ce que j'ai été tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est pour un épisode assez dramatique. Car il va falloir que je fasse péter la chaudière. Tout simplement, et oui, je vais devoir faire péter la chaudière. Mais il y a un slig là. Yes. Il y a un slig. Oh, vite. Il y a un slig. Aïe. Un slig volant, vite. Bon, une zone dans moi. Yes, wouhou. Salut mon grand. Hop, on y va. On continue de courir vers la chaudière numéro 2. Donc il y a 3 valves à activer en fait. Mais d'abord il y a un levier tout en haut qu'on avait vu pendant la première fois que je suis venu. Parce qu'il y avait le premier slog. Donc je dois tirer ce levier qui va désactiver les barrières électriques et je dois ensuite tourner toutes les valves qui feront surchauffer les chaudières. Mais non, je vais quand même descendre parce que je n'ai pas confiance. Voilà, quick save 2. Alors, maintenant, oui, j'ai encore mes pierres, bon ça c'est génial. Le problème c'est qu'elles ne me serviront pas à grand chose. Donc vas-y, on y va. Non, il m'a vu. Bon, pas besoin de quick save. Parce que du coup, voilà. Il est parti. Non, j'ai pas confiance. J'allais mourir. On va attendre qu'il parte sagement, quick save, voilà. Donc je vais actionner les 3 valves. Ah, ça passe pas, non. Donc il faut que j'active les 3. Et comme vous voyez, il y a 2... Ah non! C'est pas vrai! Donc vous voyez qu'il y a un petit rectangle où est-ce que là il va y avoir un chrono. Ça sera un contre-la-montre. Alerte! Ouhou, c'est bon. Donc il y aura un chrono qui va s'afficher. Un compte à rebours. Chose que j'adore, mais bon, comme c'est que le compte à rebours, ouais. C'est vrai que le compte à rebours est assez rigide à ce niveau-là. Donc là, je vais attendre qu'ils soient là, et voilà, c'est bon. Hop là, et donc j'active la deuxième chaudière. Donc vous voyez que la jauge se remplit, la surcharge approche. Donc là, je vais attendre que le slick volant remonte pour pouvoir tranquillement activer la chaudière et tranquillement, enfin, pas trop tranquillement non plus, hein, me diriger vers la sortie. Ah, voilà, attention. Alerte, 15, 14, 13, 12, 8,
Ça va péter. C'est... Aïe aïe, vite. J'avoue que c'est bien fait là qu'on arrive à zéro. Vite. C'est dommage. Le pauvre, eh, mais il lui arrive toujours des bricoles, pas possible, c'est vraiment terrible ce qui lui arrive. Oh là, il atterrit sur ses... Sur ses, voilà. Sur ses joyeux Noël. Et... Je sais qu'il y a un passage secret dans le coin, je ne sais pas où, je ne vois pas de... bouteilles. Ah, des bouteilles ici. Tant pis, je vais essayer. Et c'est à côté. C'est à côté, c'est pas grave. Tant pis. Donc le pauvre, il tombe sur ses joyeux Noël. Et en plus, il se prend une espèce de noix de coco sur la tête. Enfin, une espèce de noix de coco, je ne sais pas ce que c'est un caillou ou un truc dans le genre. Sur la tête. On se pose... Ah non. Je voulais courir sauter, mais non. Non. Bon, j'ai refait la même connerie, hein, c'est dingue. Il y a comment pour faire deux fois la même chose. C'est fort quand même. Aïe aïe. Bon, ça va, ça compense le fait que je ne suis pas mort encore pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt fait. Hop, là, et... Ouais, non, on va courir, sauter et se faire glisser tranquillement. Ah bah, il y avait encore un truc, finalement. Ok. Et voilà, on arrive vers une zone secrète dans les baraques, Monstig, c'est génial. Je déteste ce genre de jeu, ce genre de zone. Je ne sais pas si je vais le dire. Donc, je vais me mettre là. Vite. Ah non. Ils m'ont tué, non. Chiotte, c'est pas grave. Bon, vous comprenez le système, les baraques Monstig League, pour que je vous explique si vous ne connaissez pas, c'est en fait l'endroit où il y a le plus de Stig. Ah non. Il a pas voulu. Il a pas voulu. Il m'a désobéi, Abe. Non. Je me suis encore fait descendre. Et en plus, vous avez entendu que Leslie n'arrêtait pas en plus de se foutre un peu de ma gueule. C'est pas sympa les mecs, hein, quick save, voilà, je vais faire beaucoup de quick save dans ce passage secret, j'ai l'impression. Hop, on court, vas-y, ouais, j'ai réussi, bah il est temps. Ah non. Oh non, je le sens pas. Vite. Ah non, j'étais bon là, non. Ah non, franchement c'est pas correct. C'est pas correct, j'étais bien dans la cachette, je suis désolé, c'est pas correct. Ah non quoi, non. Ah, vite. Ouhou. Vite. Voilà. Vite. Ouais, quick save. Quick save, ça va être très intéressant. Vite, non. Allez-y, foutez-vous de ma gueule, je vous dirai rien. C'est le genre du Slig. Les Slig arrêtent pas de chantonner leur victoire, c'est génial. Je vous aurai un jour. Ne vous inquiétez pas, comptez sur ça. Et ah non, encore. J'ai compté sur un passage en force, mais bon, c'est pas grave. Donc faut vraiment que je passe juste là, mais faut que je saute et que je tombe directement à droite pour me mettre à l'abri. Bon, comme quoi, c'est pas gagné du tout. Je retourne, voilà. Et... Ah non. Non. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, j'étais bon mais je suis resté trop longtemps sur la touche droite. Ah, c'est vraiment génial. Ça fait combien de fois que je meurs là, c'est pas possible. Oh là, je vous jure. Bon, il y a des épisodes... Ah, non, j'étais proche. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Je rêve. Bon, j'ai commencé à atteindre un niveau de mort un peu trop élevé. Vite, ça passe, quick save, vite. Voilà. Vite, ouais, bah c'est nickel. Eh bah c'est nickel tout ça, écoute. Quick save, c'est important. Hop. Quick save. Oui, je sais, je quick save beaucoup, mais quand vous voyez la zone, quand même, hein, il faut un peu de quick save. Ah mon dieu. Vite, tous ensemble.
Suivez-moi, okay. Suivez-moi, suivez-moi. Attends. Attends. Ok, voilà. Ok. Oui, c'est... Oh, 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 oui, ça passe. Alors, boum. Boum. Boum, c'est génial. Merveilleux. Ah, oh, je vous jure, c'est vraiment pas possible. Combien de fois je vais mourir? Concentrons-nous. Ouf. Et de une. Et de deux. Et... Et non. Et non, c'est pas possible. Bon, vite que je bois un petit coup, vite. Voilà. Parce que j'ai crié un peu avant et j'avais un peu trop... Ah. J'avais un peu trop mal à ma gorge, non. C'est pas possible. J'arrête pas de mourir, c'est pas vrai. Je crois que ça doit être un record. Je ne sais pas encore combien de fois je suis mort, mais ça doit être un record, hein, je pense. Le problème, c'est que c'est légèrement en train de me gaver. Bip, voilà. Bip, voilà. Bip, voilà. Et non, évidemment, c'est celui-là qui passe pas. Évidemment, c'est celui-là qui passe pas, c'est pas possible. Oh là là. Bon, si vous avez compté le nombre de morts, je crois que le nombre de morts record, ça doit être 11. Enfin, je parle de moi et de Mudokon. Et de Mudokon, donc je compte vraiment toutes les morts que j'ai pu faire. Bon, là, sauf quand je meurs avec les Mudokon, c'est pas possible. Quand je meurs avec les Mudokon, je compte pour 1, je compte pas pour 4. Mais si j'en explose plusieurs, et ben là, ça comptera plutôt pour plusieurs. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je compte. Et le record, je crois qu'il était de 11. Ah, quick save. Très important, la quick save, j'ai bien fait, je suis encore mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis en train de craquer. J'avoue, je suis en train de craquer nerveusement. Bon, moi, c'est... Allez vous faire foutre, voilà. Allez vous faire foutre. J'en ai marre. Voilà. Hop. Voilà, 3 en moins. Désolé hein, de voir fut entre guillemets tout ça pour ça, mais voilà, j'en ai vraiment marre de me faire exploser à chaque fois. Ça doit vraiment être un record. Je n'ai pas compté, mais c'est vraiment un record là, j'avoue, j'en suis quasi certain. C'est pas possible, voilà, j'ai vraiment craqué nerveusement. Ils m'ont vraiment énervé. C'est pas possible, franchement c'est pas possible. Le problème c'est que la vidéo avance. Donc, vite, regardons un peu où est-ce que j'atterris. Ah bah, ça va. En plus, il me reste un peu de temps. Alors. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Une main. Fais des incantations pour ouvrir les portails d'oiseaux. Si le portail reste ouvert, franchis-le pour être téléporté. Ne t'inquiète pas, si tu fais fuir les oiseaux, ils reviendront si tu quittes la zone et que tu reviens. Ok, même si je le savais déjà, c'est gentil de me le rappeler. Hop, 11 yotes. Et on passe dans le machin. Ça aurait été dommage que je passe à travers quand même. Bon, vous inquiétez pas, ce genre de choses dans cet endroit, ça ne m'est jamais arrivé. Hop, on vérifie hein, au cas où qu'il y aurait un passage secret. Je crois que les passages secrets, j'ai eu ma dose. Hein. Franchement, c'est pas possible quoi, de mourir autant. Donc là, il y en a pas. Bon bah, écoutez, je vais vous laisser là. Oui, c'est vrai, je vous dis bye bye. Parce que on arrive. Tada! Bye!